merci d'être là, vraiment. Merci, parce qu'on n'est quand même pas dans la grande ville, et je suis très heureux, parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde. On va d'abord, et c'est important, applaudir Martine et son bien-aimé de nous recevoir, d'avoir installé les chaises, d'avoir pu avoir un endroit où on peut se réunir, parce que c'est important. Et aussi applaudir la ville du Tignet, qui accepte, et c'est pas évident pour des municipalités, d'accepter des lectures et des réunions un peu comme on fait là. Donc allez-y, applaudissez-les. Alors moi je vais me présenter vite fait. Je m'appelle Aaron, je suis médium depuis peu. J'ai découvert ces facultés il y a à peu près, on va dire à la louche 3 ans, par un beau matin de mai, comme je dis toujours. Moi, j'étais restaurateur pendant presque 10 ans sur le port de Nice. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai des anciens clients qui sont là. Je pense que tu as été l'une de mes premières clientes au restaurant. Pour nous deux, c'était une autre vie. Je vais vous donner plein d'éléments. Alors, il y a des éléments, on ne sait pas. C'est pas bien grave. Ne me dites pas non sèchement, parce que pour nous médiums c'est très compliqué quand je vous dis par exemple il faisait du sport, non, comme ça. Et en fait après je reçois les messages deux jours après, ah oui mais en fait il s'était inscrit dans une salle de sport, parce que ça peut me couper, ça peut me couper, d'accord. Vous dites je vois pas pour l'instant. Tout ce qui va être dit, vous allez voir. J'ai une manière de canaliser un petit peu avec mon papier et mon crayon. J'appelle ça mes gribouillages automatiques. Essayez de pas trop parler entre vous, pareil. C'est juste une forme de respect. Quand j'ai des âmes qui viennent de là-haut, il faut avoir ce respect en fait, parce que on peut pas faire tout et n'importe quoi avec le deuil. Et pour moi, j'ai mis en fait ma médiumnité au service des endeuillés, c'est-à-dire vous, et des défunts, qui sont mes deux seuls vrais patrons. Et donc voilà. Ok. Allez, je vais directement me positionner sur la dame ici. Oui. Allez-y, passez. Ouais. Alors, non, la dame juste là en vert, voilà. Voilà. Alors ça c'est le micro pour avoir une belle vidéo. Comme ça après vous allez pouvoir tout. Voilà. Alors quand vous êtes arrivé, j'ai eu plusieurs âmes qui se sont présentées à moi pour vous. J'ai l'âme d'un monsieur. Je ne sais pas si vous venez particulièrement pour un monsieur. Et j'ai l'âme d'un petit chien qui s'est présenté à moi et qui m'a fait comprendre qu'il était à côté de vous. Alors, on va d'abord faire le chien, parce que le chien, c'est d'abord lui qui s'est présenté. Et puis j'ai le monsieur, le chien en fait était l'éclaireur de ce monsieur. J'ai ce monsieur qui a dit, mais moi je suis aussi là, et il faut que aussi on passe le message. Alors, ce petit chien, c'était un tout petit. comment s'appelait-il? J'en ai eu plusieurs, alors est-ce que c'est... Est-ce que c'était un... J'avais ce côté pompon, je ne sais pas. Oh, c'était un Westie. Un Westie, allez. Comment s'appelait-il ? Elle s'appelait Sono. Sono. Ok. Alors, Sono, qu'est-ce qu'elle me dit ? Sono, elle me fait percevoir que c'était obligé qu'elle vienne te voir aujourd'hui. Parce que tu as eu, dans la semaine, une pensée pour elle. Et... elle me dit même que c'était mardi. Ouais. Oui. Elle me dit aussi que elle ne t'oublie pas de l'autre côté, que elle n'a jamais été aussi vivante que depuis qu'elle est passée de l'autre côté. Elle me parle du mois de mars. Je pense que le mois de mars est un mois important pour toi, pour elle. Oui. Oui, c'est quoi ? Je pense que c'est quand elle est décédée. Bah oui. Elle me dit aussi que c'est beau, parce qu'elle me dit il n'y a rien de plus beau que l'au-delà. Elle me dit ne t'en fais pas, nous on t'attend, mais le plus tard possible, elle me dit. Elle me dit, t'as de belles choses à vivre encore. Elle me dit qu'elle est là dans les moments où tu écoutes la musique seule chez toi. Elle me dit
Ok. Que tu as eu peut-être des histoires, enfin des histoires. Tu t'es battu avec tes rideaux ou quelque chose comme ça? Oui. Oui. Parce qu'elle me dit qu'elle était là à côté de toi et que elle l'adore même dans ces moments un peu compliqués. Elle adore te voir galérer. Elle me dit mais c'est marrant, c'est rigolo. Ok. Elle me dit aussi que je sais pas où tu habites mais ils refont le chemin ou il y a quelque chose avec le chemin. Il y a des travaux qui sont prévus. Oui, le carrelage, pas le chemin, mais le carrelage qui doit être fait. D'accord. Il faut le faire parce que c'est important. Elle me dit, toi qui es une femme rigoureuse, carrée, c'est important. Elle me dit. Elle me parle aussi. Elle t'envoie. Oh, c'est joli. Elle t'envoie. Doucement, s'il te plaît. Ok. Elle t'envoie un gros bouquet de pivoines. Je ne sais pas si tu as des pivoines chez toi, mais elle t'envoie un gros bouquet de pivoines parce que. Cette couleur rose et violette, un peu fuchsia, elle me fait comprendre que c'est ta couleur. Oui. Elle me dit, le monsieur qui était avec ce petit chien, c'est peut-être ton papa. Peut-être. Sûrement. La future. Oui, c'est sûrement ton papa. Oui. Il me dit, je suis courtois, je vais laisser la place à Sono aujourd'hui. Mais tu sais que je suis à côté de Sono et que je veille. Sur cette pépette. Elle me dit aussi que j'ai le chiffre 48 qui vient. Ça, on ne sait pas. Ça, il faudra chercher. Et elle me dit aussi que alors j'ai beaucoup de fierté. Le papa tient aussi à s'excuser d'avoir été peut-être un peu beaucoup dur, il me dit, avec toi. Il me dit, j'espère que tu me pardonneras. Il me dit... ok, j'ai un prénom avec la lettre J, Julien. Jean-Luc. C'est qui, Jean-Luc? C'était un collègue de travail. C'est quelqu'un que vous considériez comme votre frère, un petit peu avec un J, parce que j'avais ce Jacques. Quand j'étais très jeune, j'avais un copain qui s'appelait Jacques. Oui. Est-ce que c'est lui? Je pense que vous traitiez peut-être comme votre frère à l'époque. Vous avez vécu des bons moments. Oui, mais on n'allait plus. C'était pas des. C'est-à-dire, si je ne le considérais pas comme mon frère. Bon, il y avait ce côté assez. Amusement, enfance. Vous voyez, c'est ce côté. Prenez-le. Oui, je chercherai parce que là, sur le moment. Ce monsieur, vous savez s'il est incarné ou pas? Je pense peut-être qu'il est désincarné et qu'il veut peut-être vous passer un petit coucou. Oui. Voilà. Bon, ok. vous avez eu des problèmes de tuyauterie chez vous? À ces temps-ci, on en a eu il y a très longtemps, mais... D'accord. Le papa était incarné? Parce que j'avais un problème de tuyauterie, style toilette ou des choses comme ça. Chez mon fils, peut-être. Mais mon père était décédé depuis longtemps, déjà. C'est en ce moment, chez votre fils, les problèmes sanitaires? Non, ça fait peut-être un an. D'accord. Bon, je voulais noter. Hein. Ça prendra sens peut-être. Ouais, j'espère pas que ça prendra sens plus tard. Oui. Mais voilà. Allez. J'ai beaucoup d'amour, beaucoup de « je t'aime » par rapport à toi.
au choix de comment tu restes une femme malgré les épreuves de la vie. Tu restes, tu te soucies de l'image et de tes habits, de comment tu choisis tes habits. Ça, la petite Sono me le montre et elle est très fière de ça. Reste comme ça, parce que c'est comme ça. C'est comme ça. Tu es dans le juste. Tu es dans le juste. Ok, il me parle d'hôtel, alors je sais pas. Le papa, il y a quelque chose de particulier avec l'hôtel. Je te le donne. Bon, je te l'ai noté. Un hôtel H-O-T-E-L ou A-U-T-E-L? Hôtel Wondor. Hôtel d'église, oui. Non. Non. Bon. Hôtel. Ben, je vois pas. Bon, je l'ai noté. La petite Sono s'en va toute fière comme ça. Le papa est derrière et t'embrasse. Te dit je t'aime parce qu'il ne l'a jamais verbalisé. Il me dit. Et il me dit aussi que. Ok. Qui viendra te voir par le parfum. C'est-à-dire, des fois, tu dois sentir des parfums de fleurs, de choses comme ça. Oui, c'est Sono et le papa qui sont à côté de toi. Et c'est tout. Tu viendras récupérer le gribouillage. Allez. Okay. Allez, je vais prendre. Hop. Je vais prendre la dame. Allez. Ok. Alors. Bon, c'est vous. Ok. En fait, au départ, qui est apparu, c'est une âme masculine. Et après, j'ai eu une âme féminine. Je pense sincèrement, vous venez pour une âme masculine, madame, style papa. D'accord. J'ai jamais rien. D'accord. Ok. Votre papa est incarné? Non, pas du tout, il est vivant. Il est vivant. Alors, ça doit être le grand-père. Parce ouais. que j'avais cette âme masculine qui est venue. Et de suite après, un peu, j'ai la mamie qui est venue et qui était très... très chez nous, on appelle ça des filles canasses. mais elle était très... Et elle me dit, il faut faire passer les deux, je ne comprends pas. Pourquoi tu fais passer papy et pas moi? Il devait être aussi un peu chien et chien. Il était chien et chien. Voilà. Comment s'appelait ces... Mon père s'appelait Robert. D'accord. Et ma grand-mère s'appelait Emma. Emma. Ok. Et ils étaient chien et chien. Et ils me le redisent. Ils s'aimaient beaucoup. Mais ils s'aimaient beaucoup. Il me dit... ils avaient beaucoup d'humour par rapport à leur couple, en fait. Parce que... Robert et Emma, alors j'ai les deux, ils sont là. on va y aller doucement quand même. Il me dit, même de l'autre côté, je ne me suis pas débarrassé de Robert. Il me dit, je suis obligé encore de jusqu'à l'éternité. Il me parle que ce sont tes guides familiaux. Ouais. Et que c'est important, ouais. qu'il faut que tu en prennes conscience. Qu'ils viendront te voir dans les rêves, parce que les rêves, c'est... leur passage, parce que tu réfléchis pas. ils me disent aussi qu'ils sont fiers de parce que tu as résisté à ce surplus de mélancolie qui aurait pu te guider à une dépression. Il me dit pour ça on est fiers et c'est important. Et demande-nous parce que on sera là à côté de toi. Okay. Ils me disent que ils étaient là juste avant que tu viennes à ce rendez-vous et que tu as hésité dans tes vêtements. Tu as dû choisir peut-être, tu t'es mis quelque chose et puis après tu t'es dit, ah, c'est peut-être ça. Et puis tu as hésité. Tu étais devant ton armoire et puis tu dis, ah, qu'est-ce que je vais prendre? Et puis après tu as fait,
Oh ben c'est bon, je pense. Hein. Il me dit, tu vois, on était juste à côté de toi. C'est une preuve que on t'aime et que l'amour ne s'efface pas de l'autre côté. Il me dit, nous aujourd'hui on va bien. Nous aujourd'hui on s'est libéré de notre vieux corps, ils disent, et on s'est réparé de maladies qu'on a pu avoir. Ils me disent que c'est marrant. La maman aimait la violette parce que j'ai ces fleurs de violette et j'ai cette couleur violette. Est-ce que ça peut la grand-mère. Je sais pas. Bon, parce que elle me montre un bouquet de violettes et on vous a pas offert des fleurs violettes cette semaine. Moi, j'en ai offert. Ah. Il y a une histoire de famille sur les violettes. Ben oui. Merci, madame. Ok. C'est important de là-haut. On l'a encore, cette histoire de famille avec la violette, et c'est important. À ce moment-là, ils étaient encore à côté de toi. Il me parle du mois de juin. J'ai le 18 aussi qui vient. Et. Je chercherai. Et moi, c'est. Et j'ai. J'ai un prénom avec la lettre L. Je ne sais pas si c'est. Très court. Laura, Lara, Lana. Faudra regarder. Hein. Il n'y a pas une petite fille qui est toute petite qui s'appelle dans. Oui. Oui. Ouais. Oui. D'accord. Bah oui. Et qui s'appelle. J'avoue, je suis perdue en blé. Voilà. Je sais plus. Bon, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Ça commence par elle ? Oui, oui, oui. Léa ? Non, non, non. Bon. J'ai trouvé ça très, très original et oui. Du coup, ça me perturbe, je sais plus. Eh ben oui. Eh ben, la maman, je sais, ils veulent vraiment se faire passer pour tes parents, en fait. Ses grands-parents. Bah, oui, c'est normal. Bah oui, parce que j'ai du mal à dire grands-parents avec toi. Ma grand-mère était... Maternelle, très maternelle. Très maternelle, très proche de moi. Et elle est très proche de cette petite pépette qui vient de naître. Mmh. Et il faudra lui dire que c'est son guide familial, cette pépette. Mmh. D'accord ? Ouais. Bon, quand elle... Alors, oui, mais c'est pas grave, vous le savez. Ouais. D'accord ? Et c'est drôle parce que... Il y a dû avoir un doudou dans les couleurs. Alors c'est une fille, mais j'ai un doudou dans les couleurs bleues qui a été offert. Ça te parle ? Non, pas du tout. Eh bien, c'est pas grave. Tu chercheras parce que tu verras une espèce de vieux torchon ou enfin vieux torchon de. C'est pas quelque chose de joli, mais c'est c'est. Je sais pas, peut-être un... Bon. Ma seconde fille avait en bidou, elle avait une housse de couette bleue. Bleu. Il n'y a pas eu, c'est bien, il n'y a pas eu l'idée de lui donner un morceau de cette couette à ce... Non, je pense pas, parce que je crois que tout est parti. Bon, d'accord, ok. Bon, c'est pas bien grave, en tout cas, les infos... Il faudra regarder, oui. Peut-être que quand vous allez... La voir, vous allez... Ah, je dirais un éléphant ou quelque chose comme ouais. Ça, bon. La facilité, ça aurait été que je dise Sophie la girafe. Mais pas du tout. Non, on va pas parler de Sophie la girafe. Ah bon ? Non. Allez. Ok. Le papy me montre que... Il avait un rituel pour comment dire pour boire de temps en temps un petit canon parce que je le vois il me dit j'ai pas perdu ça on boit mais autrement mais j'ai pas perdu ça il me dit on perd pas les bonnes vieilles habitudes il me dit de l'autre côté et après je vais m'arrêter là pour vous. Il me montre que tu as dû faire du ménage ou tu as dû décrocher des tableaux ou des choses chez toi. Est-ce que c'est correct ?
Oui, t'as bien fait. C'était moche, c'était vieux, poubelle. Faut champagner les murs maintenant. Ben oui. Et c'est tout. Merci beaucoup. Vous viendriez vous allez, vous venez récupérer vos. Gardez-le, vous passez après au prochain. Oui. Ok. Allez, regardez, passez-le à la dame enrayée. On va faire. Oui. Bonjour madame. C'est pour vous. Alors, quand vous êtes venu, j'ai un monsieur qui s'est présenté comme votre papa à côté de vous. Et d'ailleurs, il n'y a personne à côté de vous, mais il s'installe à côté de vous. Il me dit, il me fait comprendre que tu ne t'attendais pas à ce que tu aies un message aujourd'hui et que c'est la belle surprise parce que c'est la première fois que tu viens dans une séance médiumnique. Eh oui, il me le dit. Et il me dit, c'était important parce que je voulais te rassurer, te dire que j'étais à côté. Parce que je suis persuadé que tu t'es posé la question qu'est-ce que devient mon papa, où il est, qu'est-ce qu'il fait. Aujourd'hui, il va te répondre. Il est juste à côté de toi, c'est ton guide familial, il me dit. C'est important, demande-lui quand tu as... et quand tu es épris par les épreuves de la vie, quand, dans les tumultes de la vie, demande-lui. Il me parle... il y a quelque chose de particulier avec une bague. Il s'est passé quelque chose avec une bague, ou quelque chose comme ça, il n'y a pas longtemps. Il me montre une bague, alors pas forcément à lui, mais peut-être une bague que vous avez mis ou enlevée, ou je ne comprends pas exactement, mais est-ce que ça vous parle déjà? Bon, ben c'est pas bien grave. Quel est le prénom du papa? Dominique. Ok, il me dit, Dominique, que il a retrouvé de l'autre côté des amis à lui. Comme si les amis, c'était important dans sa vie de papa. Il avait sa vie d'homme et sa vie avec ses amis. Et c'était important. Il y a quelque chose aussi de particulier avec les pompiers, ce monsieur. Pourquoi je vous donne ça? Parce que il portait pas d'uniforme, ce monsieur. Oui. Il faisait quoi, ce monsieur? Il était dans les finances. D'accord. Parce que c'est... Et il y a quelque chose dans les pompiers, je ne sais pas. Faudra regarder, faudra chercher, parce que j'entends il n'a pas été emporté par les pompiers quand on est venu. Vous vous souvenez plus. Bon, je vous le note, ça, parce que je le reçois avec force, ce côté pompier, ce côté... il n'aurait pas pu aider des pompiers ou des choses comme ça dans sa jeunesse. Bon, ok. Parce que moi, il me le montre et il me le donne et c'était une fierté. Ses amis, c'est son côté ami, en fait. Peut-être qu'il avait des amis pompiers. Oui. j'ai beaucoup d'amour, beaucoup de... il me dit que lui, il est bien. Quand il m'est apparu à moi, ce monsieur, c'est quand vous êtes arrivé, avec une belle lumière blanche, rosée, rouge, parce qu'il était, je ne sais pas comment expliquer, il est bien élevé. C'est une désincarnation qui doit durer, ça doit faire longtemps, ça doit faire au moins 10 ans, ce monsieur, d'accord? Il me dit... il me parle aussi de son parfum, ce monsieur. Vous devez avoir des odeurs, des fois, qui passent comme ça chez vous, vous ne savez pas pourquoi. C'est lui, il me dit. Il me dit aussi que... ah, c'est... J'exagère.
Vous avez une photo de ce monsieur chez vous, sur un meuble ou quelque chose comme ça? Sur les meubles, non. Non, parce qu'il y a une... Alors, je ne comprends pas. Il me montre une photo donc de lui, en fait, qu'il faut changer. Comme si elle avait jauni ou vieilli ou quelque chose comme ça. Ils sont dans les tiroirs. D'accord. Je ne comprends pas pourquoi on me donne ça, en fait. Il pourrait y avoir quelqu'un d'autre qui a ça. La photo de votre papa sur un meuble. Sur un meuble ou sur un meuble. Peut-être, mais... Bon, il faudra regarder parce qu'il me fait percevoir et il me dit faut changer la photo. Elle se vieillit et j'aimerais être un peu plus... voilà, refaire la photo. Voilà. Il me dit aussi que... que c'est... Bon, je ne sais pas si tu l'as dit, mais il me redit que c'est ton guide familial et que c'est important. Il y a un anniversaire qui arrive, il me parle d'un anniversaire. Oui, bientôt. Bientôt. Alors, ce monsieur sera là, à côté. Gardez-lui une place dans les pensées, il me dit. On va pas jouer, il me fait, on va pas mettre une chaise vide, alors ça c'est dans les films, on s'en fout. Juste, on a une petite pensée pour moi, parce que je serai à vos côtés, il me dit. J'ai le chiffre 26 qui vient, je sais pas si 26 est un chiffre important pour vous, vous chercherez. Il me fait comprendre aussi que les meilleures saisons pour lui, c'était l'été et le printemps, parce que il devait aimer les fruits, ce monsieur, et la pastèque. Je ne sais pas pourquoi, mais il m'envoie la pastèque, en fait. Et il me dit, tu vois, on a les mêmes goûts, en fait. Et ça, c'est important, les fruits d'été, la pastèque, le melon. Il me dit, on n'oublie pas le saucisson et le jambon, mais la pastèque, c'était quand même mon fruit préféré, il me dit. Il me dit, dis-lui que je l'aime. Pareil, je lui ai pas assez dit. Dis-lui aussi que... Ok. Vous avez des petits-enfants, madame? Oui. Oui. Vous les gardez de temps en temps? Vous allez au parc ou quelque chose comme ça? Avant, oui. Quand ils étaient petits, oui. Oui. Alors, parce qu'il m'a montré ces images de vous allant au parc. Il est très fier de ça. C'est beau, rempli beaucoup d'émotions, de choses comme ça. Il est très fier. Gardez cette énergie sur l'émerveillement des choses, parce que c'est important. D'accord? Ok. Alors, en dehors de l'anniversaire, la famille doit se réunir bientôt? En principe, oui. Oui, il sera là aussi. Et voilà. Je me suis dit, on peut pas faire des réunions sans moi. Alors, je serai dans l'esprit. Donc il faudra prendre conscience que je suis à côté, et il se retourne vraiment vers... Je te tutoie, je suis désolé, mais il me dit, je suis ton guide familial, qu'à toi. Okay. Et je pense que c'est tout. Alors je sais pas pourquoi il m'envoie la craie. Je sais pas pourquoi la craie et l'ardoise. Je sais pas. C'est, je ne comprends pas pourquoi il m'envoie ça, la craie et l'ardoise. Je voulais noter. Hein. Oui. Il n'était pas sensible à la craie sur l'ardoise ou quelque chose comme ça? Je ne pense pas. Bon, je ne sais pas. Il me montre un petit et puis... Bon, je voulais noter. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette... Je pense que c'est tout. Vous remercie. Il vous dit que maintenant vous savez qu'il est à côté de vous. Il me dit, tu vois, pour une première, c'est une première, il me dit. Il me dit, maintenant tu sais que je suis à côté de toi et je vais revenir souvent te voir, il me dit. Et pas que... Ok. Et pas que dans les lectures publiques, il me dit. Tu dois avoir un petit oiseau qui vient taper à la porte ou quelque chose comme ça. Parce que j'ai le chose de l'oiseau aussi pour ton papa. C'est un signe de réconfort. D'accord? Et il me reparle de Pâques et d'avril. Et je sais pas ce que je vais faire avec ça, mais je vous le donne.
Il y avait de belles énergies. C'était. Et c'est tout. Merci, merci à lui d'être là. Vous viendrez prendre le petit gribouillage. Allez, on va continuer. Robert, oh, regarde, on va. Hop, on va. Passe-le à la dame juste derrière. Oui. Voilà, oui. Allez, c'est à vous. Alors, pareil, vous, quand vous êtes arrivé, j'ai un monsieur qui s'est présenté à moi. Je ne sais pas si, si vous êtes venu pour un monsieur ou si vous aviez l'idée d'un monsieur aujourd'hui. Mais j'avais écrit le terme « ne pleure pas ». Je ne sais pas pourquoi. « Ne pleure pas ». J'ai ce terme-là qui est venu. Et sois forte. C'est ce que j'ai marqué, en fait. Parce que je te regarde dans l'au-delà et j'essaye de te donner de la force. C'est les termes que j'ai eus quand... moi, j'ai vraiment un monsieur qui est apparu. Est-ce que ça peut vous parler? Votre papa est incarné, je ne vais pas aller plus loin. Il est décédé, je ne sais pas. Oui, bah c'est le papa, on ne va pas chercher plus loin. Oui. Tout simplement, comment s'appelait-il? Jacques. Ah. C'était peut-être ce fameux J de tout à l'heure qui était en avance. C'est quelqu'un qui aimait bien arriver en avance, ce monsieur? Pardon, qui est... Arriver en avance? Oui. Eh ben oui, parce que le Jacques, je l'ai entendu et il était déjà là. Tout à l'heure, je l'ai dit, Jacques, je ne sais plus à qui. Ben voilà, il languissait. J'avais ce terme de languir, en fait, pour venir vous parler. Sois forte, essaye de... j'avais vraiment ce chose, ne pleure pas, il est à côté de toi, je suis à côté de toi. J'ai le chiffre 4 qui vient pour vous, je ne sais pas si le 4 avril ou avril éventuellement. On cherchera plus tard, ça prendra sens plus tard. J'ai beaucoup d'amour, j'ai beaucoup de Ok. Je vais pas. Je comprends pas pourquoi j'ai ça. Vous devez passer des examens ou des choses comme ça, madame? Des examens médicaux? Oui, enfin. Cette année, oui. Oui. Alors, pas trop de stress. Vraiment. Ça va bien se passer. D'accord? Vraiment. J'en mets pas ma main au feu, mais. Pas de stress. Et puis quand vous avez un doute, demandez à votre papa. Parce qu'il sera là pour vous donner de la force. Même si c'est pas l'âme qu'on attend. Même si c'est pas ce monsieur qu'on attend. C'est lui qui est là et qui se présente, qui veut se racheter. Parce que ça se voit parce qu'il ne se montre pas. Déjà, il me parle en clair audience et pas en clairvoyance. Souvent, il y a des choses à se reprocher, des choses comme ça. Et aujourd'hui, par tous ces éléments, il me fait comprendre, alors on parlait du pardon tout à l'heure, il me fait comprendre que même si on ne peut pas pardonner tout, écoutez, c'est le début du chemin du pardon. Voilà. Il me dit surtout qu'il ne me dit rien, parce que ça ne devait pas être quelqu'un qui causait énormément. Il s'est apparu comme ça, à côté de vous, et il ne me parle pas beaucoup, parce qu'il ne sait pas si vous allez accepter ou pas son message. Voilà. Il vous remercie, là, de prendre le message qui me transmet, parce que... Je sais pas, il y a quelque chose qui veut pas me montrer. Il y a quelque chose qui... C'était compliqué avec le papa. Allez, je vais y aller. Voilà. On va pas s'étaler, mais aujourd'hui, juste par sa présence et ce petit coucou qu'il te fait,
pour lui, pour, alors, j'aime pas dire ça parce que l'âme a un processus immuable d'évolution, mais en fait, ton pardon allégerait son âme. Voilà. Mais on est sur Terre, il y a des choses qu'on ne peut pas pardonner, il y a des choses qu'on on fait comme on peut, d'accord ? Parce que de l'autre côté, ils sont simples. On fait ci, on fait ça, on fait des lasagnes, on cuit ci, on pardonne des pires horreurs. C'est simple pour eux parce qu'il n'y a plus de. Il y a plus que l'âme et l'esprit. Il y a plus ça. Mais on est sur Terre. Donc, ton chemin du deuil et du pardon, il n'y a que toi qui peux le. Comment dire ? Le faire. D'accord ? Voilà. En tout cas, le papa est à côté de toi. Si tu as envie, demande-lui les choses parce qu'il sera là. Il va te donner tout ça. D'accord ? Vous aimez les roses, madame ? Oui, parce qu'il vous offre un gros bouquet de roses, ce monsieur. Et il me dit, vous devez en avoir planté ou des choses comme ça chez vous ? Non. Bon, alors, c'est très bizarre parce qu'il me montre un pot avec un rosier. Non. Bon. C'est pas grave. Je suis têtu. Et le papa aussi. Il me montre moi, je vois un rosier. Donc, lui, il m'offre des roses, mais je vois aussi un rosier dans un pot que vous auriez pu mettre chez vous, qui n'est pas bien en forme et qu'il faudrait peut-être mettre de l'eau, des choses comme ça. Je vous le donne. Bon. Vous n'avez pas de plante en pot chez vous qui a besoin d'arrosage ? Si. Ah. Parmi tout ça, oui. Là. Ouais. C'est peut-être pas un rosier, j'ai peut-être mal décrypté. Il y en a une où la couleur est dans les roses rouges. Oui. Voilà. Alors, je suppose que vous n'avez pas la photo de votre papa là chez vous, parce qu'il y a des choses à. Voilà. Mais son énergie est pas loin de cette plante. Alors, je ne sais pas qui vous a. C'est vous qui avez offert la plante ? Alors. Le pot. Bon. Il aime bien la dame. Parce que s'il me montre le pot avec la plante, c'est qu'il aime bien la personne qui a offert tout ça. Et son énergie est à côté. D'accord ? C'est drôle parce qu'il valide même l'amitié de. Il valide. Il valide. Et. Ok. Il vous envoie beaucoup d'amour parce que. Il fallait qu'il vienne vous dire aujourd'hui qu'il vous aimait parce qu'il peut-être qu'il ne vous l'a jamais dit. C'est important de le verbaliser. Et il me dit surtout sans arrière-pensée. Sans arrière-pensée. Ok. J'ai l'année 1945, ça parle ? Je l'ai noté. Allez, Jacques. Il est très drôle parce qu'il me dit quand vous ferez des analyses de sang, ne mangez pas trop de chocolat avant. Des médecins. Eh bien oui. Alors, je l'avais noté ici, un docteur et sa plus grande, alors je vais continuer, sa plus grande fierté en fait, c'est le jour où il a mis sa plaque sur l'immeuble en tant que docteur. Il me l'a montré comme ça. Et c'est tout. Merci. Et c'est tout pour lui. Allez, merci à lui. Vous viendrez récupérer le petit gribouillage. Allez. Je vais aller au plus simple. Je vais faire les âmes qui se sont présentées à moi. Non, je vais faire parce que ça. Quelqu'un aurait pu avoir un.
j'ai noté, un épagneul breton comme animal désincarné. Oui. Comment il s'appelait? Alice. Radis. Rex. Rex. Je suis un peu sourde ici. Alors, vous habitez le coin? C'était à Grasse. C'était à Grasse. Alors, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que, en fait, quand je suis monté en voiture, donc j'ai fait le tour, j'ai ce chien un peu foufou qui est apparu. Alors, il monte ses oreilles qui balade comme ça. Et c'était important pour vous dire que, oui, même un chien peut être à côté de vous et peut être votre guide animal. Et c'est important. Vous avez eu une pensée pour lui il y a cette semaine ou quelque chose comme ça? Pas spécialement, mais quand j'étais petite, ma maman me disait que travailler dans les champs, il me laissait seule à la maison et il me disait garde le plein livre. Et il restait là, je le garde. Eh bien, de l'autre côté, c'est ton guide animal et il faut le prendre comme ça parce que c'est important, c'est un travail important pour lui malgré son côté un peu voilà oui c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le chien. J'ai une question, vous avez un fils? Oui, il est très fier de ce garçon. Vous inquiétez pas pour lui, il sera bien plus tard, il me dit. Ne t'inquiète pas trop, c'est marrant parce qu'il t'appelle maman, alors c'est ne t'inquiète pas trop maman parce que il sera bien. Je sais pas, il y a quelque chose de particulier avec ses cheveux, votre fils. Il vient de faire couper les cheveux. D'accord. OK. Ça veut dire que l'âme de ce chien était à ce moment-là à côté de lui. Et c'est important aussi parce que il a une attention particulière en fait pour la famille. C'est le gardien en fait. Et il est vraiment fier d'être là et de vous dire qu'il est encore à côté de vous. Non. Il y a quelqu'un qui travaille dans la police chez vous? Non. D'accord. Ok. Parce que j'avais ce côté policier qui venait. Alors je sais pas pourquoi. Je vous le note. Ça prendra sens peut-être plus tard. D'accord. Vous les avez vus cette semaine ou il y a des projets de les voir? Non, tout à l'heure on a croisé un. Oui. Ah ben voilà. Ah ben voilà. Merci. Voilà. Non, mais merci, ça me va. Il était encore à côté de vous. Hein. C'est comme ça. Il vous remercie d'être une jolie maman, il me dit, et d'avoir toujours votre âme d'enfant, il me dit. Ça, c'est important. C'est pas grave, même si on a une âme d'enfant, même si on s'émerveille de tout, même si on rigole de tout, c'est comme ça. De l'autre côté, il me fait comprendre, on aime ça. J'ai un monsieur avec la lettre G. Guy, ça vous parle? Et avec la lettre G? Ouais, je prends Gilles. Il embrasse Gilles. Alors, il n'a pas dû le connaître, mais en me le... Mon frère, il s'appelle Gilles aussi. D'accord. Bon. voilà, je comprends pourquoi. Allez. Ok. Les parents avaient des pommiers ou des choses comme ça? D'accord, ok. Ok. Il est... voilà. Il est très fier de cette époque-là. Alors, je suis persuadé qu'il devait y avoir des pommes. Je ne sais pas pourquoi, mais il me montre des pommes. Il devait y en avoir trois positionnées comme ça. Faudra demander parce qu'il me le montre. C'est marrant parce que vous rigolez pas,
Allez, j'y vais. Ok. T'exagères, Rex. Vous aimez Claude François ? Bon. Est-ce que vous avez entendu la musique Le Lundi au Soleil ? Ouais. Il n'y a pas longtemps ? Il me parle de ça en fait, je sais pas, j'arrive pas à décrypter plus que ça. Vous le prenez, c'est drôle parce que c'est son signe de réconfort. C'est-à-dire que quand vous allez entendre Le Lundi au Soleil, peut-être, ok, vous aimez pas aller au travail le lundi ? C'est la vie quoi ! Ouais, voilà, c'est. Voilà. Donc quand vous entendrez cette musique, c'est un signe de réconfort de Rex aussi. En plus de tout ce qui peut ok, il me dit que des fois il passe le soir entre vos pattes, enfin vos jambes, et il me dit tu t'entraves pas des fois comme ça et tu sais pas pourquoi. Oui, c'est lui qui passe entre tes pattes pour te dire qu'il est là et tu comprends pas et tu penses que c'est toi qui es maladroite, il me dit. Mais il n'y a pas que ça. Et il me dit aussi, c'est beau ça. Si. Quand tu t'endors le soir, des fois, je suis persuadé que t'entends des aboiements, très tac. Et ben, faudra regarder parce que c'est lui qui te donne des signes. Souvent, c'est soit le matin quand tu te réveilles, ou soit, j'appelle ça entre chien et loup, au moment où tu te couches. C'est un signe de réconfort qui te donnera. C'est drôle aussi. Il y a l'arrivée d'un autre animal aussi qui arrive. Un chat. Moi, j'ai un chat. Oui. Ok. Il communique avec ce chat, il me dit. Il communique avec ce chat. Pardon ? Ouais, il communique avec ce chat. Et c'est tout. Et c'est tout. Allez, on va continuer. Okay. Oui, oui, oui. Allez, la dame, vous. Oui. Bonjour. Alors, pareil, quand j'ai beaucoup de dames masculines en fait qui viennent, vous venez pour un monsieur aussi, madame, c'est votre papa, ouais. J'ai beaucoup de papas aujourd'hui. Bon, après, c'est comme ça, c'est un peu. La première chose qui me donne et qui m'envoie, c'est des vieilles musiques, je sais pas pourquoi. Des vieilles musiques style Aznavour, il écoutait parce que j'ai cette phrase, non je n'ai rien oublié. Bon, alors prenez le message. Comment s'appelait-il? José. José. Ok. Allez, j'ai c'est marrant, il me montre ses yeux. Je ne sais pas pourquoi. Allez. J'ai toute la partie des yeux avec ce monsieur. Je ne comprends pas. C'est marrant que j'ai la cloche. Il habitait près d'une église. Dis-moi. Non, le monsieur. Et vous? Oui. C'était peut-être un signe, on va le prendre, vous savez. Il me montre vraiment ses yeux. Je n'aurais peut-être pas un message très long pour vous, mais en tout cas, c'était un papa qui était un peu un papa à l'ancienne, ce monsieur. Un peu dur, un peu. C'est compliqué à parler avec lui. Là, vous avez le droit de me dire non parce que il est apparu à côté de vous et j'ai pas eu grand chose en fait. Et j'ai toujours pas grand chose.
juste que vous avez une fille, madame? Non. Non. Non, mais c'est... Des filles. Qui ont quel âge? 20 ans et... Ah oui, ça pourrait être... Je vous ai rajeuni, en fait. Je vous ai rajeuni. Il y en a une des deux qui est, par rapport à ces petites filles, qui a eu des soucis scolaires, qui se faisait embêter à l'école, ou des choses comme ça. Oui. Ok, donc je suis bien vers vous. Hein. Je suis bien... c'est laquelle des deux? C'est la deuxième. Donc José protège la cette pardon Johanna. C'est important. C'est son guide à elle, Johanna. C'est José. Je vais pas trop aller loin avec ce monsieur parce qu'il me fait un peu des sueurs et que dans les conférences il faut que ça soit un peu fluide quand même. J'ai beaucoup d'amour quand même à vous transmettre. Le mois d'août, ça parle pour vous? Ok. Quand on les menace, après, ils parlent. il me dit, oui, j'entends. Oui, c'est la première fois qu'il passe dans un décodeur. Il me dit, oui, c'est la première fois que je passe dans un décodeur. Il faudrait que ça soit simple. Tu te prends pour qui? En tout cas, j'ai beaucoup d'amour à te transmettre de ce papa. Alors oui, c'était un papa à l'ancienne. Oui, c'était quelqu'un qui était solitaire parce que je le vois pas entouré d'autres âmes. Il est seul. Il vient me voir seul, ce monsieur, et il s'en porte pas plus mal. Hein, mais je le vois seul. Je le vois pas entouré de. Il était seul dans son. Il n'avait pas trop d'âme. Ah oui, c'est ça. Même familialement, c'était quelqu'un qui pouvait se murer dans le silence ou des choses comme ça. Eh oui, parce que il y a des moments où il va avoir des fulgurances, il parle et il donne des choses très précises, et des moments où il stoppe. Il stoppe vraiment tout. C'est bizarre. Il a eu un problème à la jambe, ce monsieur. Oui, il me le montre avec des bandages ou des choses comme ça. Ok. Voilà, tu veux. il me fait comprendre que tu mérites qu'il soit là aujourd'hui, même si il a des difficultés pour parler. Il me dit ok, il me dit c'est la première fois pour moi de passer dans un médium, j'y croyais pas, j'ai changé d'avis, je suis là maintenant. Il me dit ok, il me parle de jeu de cartes. T'as acheté un jeu de cartes il y a pas longtemps? Oui. Il me dit qu'il était à tes côtés au moment où tu as acheté ce jeu de cartes, qu'il a aimé l'énergie que tu avais à ce moment-là. Il me dit... c'est marrant, il parle de purée mousseline. Arrête, arrête de faire de la purée, il me dit. Vous mangiez beaucoup ça, petite? De purée? Oui. Mousseline, oui. Ah. Il me dit... parce qu'il me le montre et il me dit bon, tu vois, maintenant je suis précis. Il me dit merci. Il me fait comprendre aussi que t'as pas d'enfant, toi? Si. 5? Ok. Ouais, mais ça me batte. T'aurais pu. Je peux continuer? D'accord. T'aurais pu avoir peur de les perdre, ces enfants, à une certaine période de ta vie? Qu'on te les enlève ou qu'on te les, mette loin de toi. Ah oui? Oui. Oui, mais il me fait comprendre que ne t'inquiète pas, parce qu'il sera toujours là pour que la famille soit unie. Parce que même s'il ne fait pas de grands discours, il me dit, nous dans la famille on est dans les actes et pas dans les paroles. Il me dit qui vous aime tous, sans exception, du premier au dernier, il me dit. Il m'envoie du jasmin, je ne sais pas pourquoi. Vous aviez un jasmin à l'époque là-bas chez vous? Non, mais là j'en ai un qui a bien pris. Oui, et ben, parce qu'il m'envoie cette odeur de jasmin. Alors, les fleurs, elles ne sont pas encore là, mais oui. Lui, il est en avance sur son temps, il me dit, et je t'envoie déjà cette forte odeur de jasmin. Tu verras. Pense à moi le jour où ces fleurs seront
éclos. Il me dit, alors là par contre il y va. T'as eu un souci de voiture ou tu veux changer ta voiture aussi? Ouais. Fais-le, ça va arriver. Hein. Parce qu'il me le donne, il me dit, t'as la permission de papa, il me dit. Il me dit aussi, oh c'est marrant, il me montre ton enfance, tes collections de Panini, tes images à coller. Ça te parle? Bon, je sais pas pourquoi il me parle de ça. Tu vois les albums où tu colles les, ouais, les choses, il me montre ça. Vous en avez pas eu? Vous en avez? Non, j'en ai eu. Bon, ben, je prends. Je prends. Vous en avez pas découvert? Vous avez pas fait quelque chose avec ces albums il y a pas longtemps? Oui. Merci madame. Il était encore à vos côtés, il me dit. C'est important. C'est important. Il me dit, bon, j'ai passé mon message. Maintenant, tu sais que je suis à côté de toi. Tu sais que je t'aime, que je vous aime. C'est qui ce monsieur? C'est votre mari? Voilà. Il embrasse aussi le compagnon. Il me dit, comme ça, c'est quelqu'un de bien. Il me dit, ça se voit pas, mais il te donne le sourire. Et c'est important. Et il me dit aussi, vous travaillez beaucoup aussi, ça c'est important, il me dit. C'est la valeur d'un homme, c'est dans son travail qu'on reconnaît, il me dit. Ok, ces papiers d'identité ont été gardés, c'est toi qui les as, passeport, tout ça. Il me le montre, c'est ses objets clés, il me dit. Quand tu as besoin de rentrer en connexion, comme la lampe d'Aladin, tu les touches et tu as l'énergie du papa qui renaît, qui se recrée, il me dit. Il me dit... hop, vous, oui, vous devez faire des, je suis désolé, vous devez faire des examens aussi. Mm-hmm. Non, le monsieur avec les lunettes. Non, le mari, oui. Il y a des examens qui doivent être faits. Oui, ça c'est bien. Oui, ça c'est bien. Bon, parfait. C'est important à un certain âge de faire. Hein, voilà, il me le montre. On n'ira pas plus loin, mais tout va bien. Mais il faut se contrôler. Allez, je pense que c'est tout. Il a passé son message. Voilà. Et c'est tout. Et c'est tout. Vous viendrez récupérer le petit gribouillage. Allez, on continue. Alors. Allez, je vais prendre le monsieur en vert au fond. Oui. Bonjour. Vous rendez ma femme très inquiète. Où est votre femme? Là-bas au fond, à droite. Levez la main, la dame. Non, pas d'inquiétude, c'est que du bonheur. Alors, dès que vous êtes arrivé, votre maman est incarnée? Elle vous pose la question à moi. Oui. Pardonnez-moi, mais je ne suis pas très... Oui, sa maman est décédée. Bon, c'est pas grave. Votre maman est envolée, en fait, et passée de l'autre côté. Son âme est partie. Essayons d'être dans la simplicité des choses. Oui. Voilà, exactement. Alors, la maman, qu'est-ce qu'elle me dit? Déjà, dès que vous êtes arrivé, j'ai eu cette âme de votre maman. Là, autant des fois, je tâtonne un petit peu. Là, je sais que c'était votre maman. Alors... votre maman, et je savais que c'était votre maman. Je ne sais pas si je vais avoir un message important, mais elle veut vous faire percevoir. Ok. J'ai le chiffre 15 qui vient, ça vous parle pour vous? Vous parlez un peu plus fort. J'ai le chiffre 15 qui. A priori, non. D'accord. Eh bien, moi, j'ai le chiffre 15 qui. Ça prendra sens plus tard. Vous inquiétez pas, vous viendrez chercher le petit gribouillage.
J'ai eu deux choses. J'ai ce chiffre et j'ai aussi un animal. Est-ce que votre maman aurait pu avoir un petit chien aussi? Pas du tout. Est-ce que vous auriez pu avoir un petit chien? D'accord. Parce que votre maman est avec un petit chien aussi. Comment s'appelait-elle déjà? Ma mère, Jacqueline. Allez, parfait. Ok. Bon. Allez. J'ai une dame avec du caractère. J'ai une dame qui me dit là, tu t'attaques à un monument en parlant de toi. Et que ça t'a intérêt de donner les mots justes parce que sinon tu vas t'en prendre une. Elle me fait comprendre que votre maman aimait les habits, les robes, les choses comme ça. Oui. Elle me montre ça. Est-ce que vous avez gardé une robe de votre maman ou un habit? Non. Plus rien du tout. Aux associations. Le ménage qui m'a dit qu'elle lui avait promis. Bon. Donc il n'y a aucun problème. Bon. Je pense aussi, parce que quand elle me montrait les habits, je pensais au moins que vous en alliez récupérer une. Et j'avais une couleur un peu verte dans les... Bon. Bon. J'avais cette couleur verte. Regardez. Regardez. On lui avait mis une prothèse à votre maman. Absolument. Merci. Elle me dit. Eh ben oui. 82 ans. Eh ben oui. Elle me dit, voilà, là, comme ça, on a calmé tout le monde. Merci, madame. J'adore votre maman parce que, en fait, elle a autant de caractère que vous. Et je pense que vous lui ressemblez plus que ce que vous pensez. Elle me dit, bon, c'est le moment où il faut dire je t'aime, et je ne suis pas dans les spécialités de dire je t'aime, mais elle vous donne le je t'aime, parce que sûrement qu'elle ne vous l'a pas assez dit, et elle me le donne, et elle me remplit de chaleur. Vous avez trouvé des lettres aussi, parce que j'ai beaucoup de lettres. Oui, il y a des lettres. Oui, ça vous les avez gardées. Oui, ça. Bon, c'est bien. Pareil, c'est un peu son objet un peu clé. Elle m'a montré les vêtements, vous n'avez pas de vêtements. Elle me remontre autre chose, les lettres. Vous pouvez les... comment dire? Les garder. D'accord? Ok. Ok. Vous aimez faire des restaurants avec votre épouse? Oui. Oui, oui. Parce qu'elle me dit que... vous avez le guide Michelin? Quelque chose comme ça? Il faut parler de Michelin. Le guide Michelin? Non, guide Michelin on n'a pas, mais on l'a eu. D'accord. Parce qu'elle me montre comme si vous aimiez faire des restaurants un peu étoilés, un peu chic. Et c'est tout à fait vrai. Eh ben oui, mais votre maman ne fait que des étoiles. Eh ben oui. votre maman est à côté de vous à ces moments-là. Mais elle était avec nous. Eh ben oui. Elle était parmi nous. Eh ben oui, mais ces repas chez les chefs étoilés, elle a gardé cette tradition. C'est magnifique. J'adore votre maman. Vous voyez, vous n'êtes pas aussi fermé. Que... Je suis hermétique. Oui, mais là, aujourd'hui, un peu moins. Oui, aujourd'hui, un peu moins. C'est pour ces moments-là que je... Ça fait partie de ces moments-là où je me dis, j'ai bien choisi mon chemin. Parce que c'est juste... Alors, c'est un peu l'ego qui parle, mais c'est juste un kiff quand j'ai votre maman qui me parle et que j'arrive un peu à casser la... Vous savez, la carapace, un petit peu. Un petit peu. Ok.
J'ai quelque chose aussi avec la musique classique et les violons. Est-ce que ça peut parler? Oui, ça parle. C'est quoi? Parce que j'avais un grand-père qui était premier violon à l'opéra. D'accord, très bien. C'était du côté de ma mère. Du côté de votre maman. Alors, je suppose qu'il est désincarné aussi. Oui. Oui. J'ai juste la musique du violon que j'entends. Et quand vous entendez des fois des violons, des choses comme ça, c'est des signes de réconfort de la famille, elle me dit. Et c'est important. Des signes de réconfort de la famille. Eh bien, votre maman, c'est votre guide familial. C'est important. Qui est avec un petit chien, qui est votre guide animal. Je sais, ça paraît fou, hein, qu'une énergie matérielle peut avoir du pouvoir sur l'énergie matérielle. Vous demandez, au pire, ça ne fonctionne pas. Au mieux, vous avez une belle surprise. Voilà. Voilà. C'est marrant. Je vais travailler pour vous. Offrez un peu plus de fleurs à votre femme. C'est étonnant. Je vois ces bouquets de fleurs. Je les traduis comme ça. Vous en offrez souvent, régulièrement? Pas de régularité, mais... Ouais. Bon. C'est juste que elle aime ça, quand vous offrez des fleurs, parce que... vous l'avez connue, hein, maman? Oui. Elle vous apprécie énormément. Longtemps. Oui. Nous sommes un très vieux couple. Au moins 10 ans. Ah. En euros, c'est à peu près ça. 10 millions par 4. Ouais, en euros, c'est à peu près ça. Non, la maman aime, en fait, de fleurs que tu offres à ta chérie. Eh bien, je garde quand même ce chose. Offre beaucoup plus de bouquets de fleurs. Voilà. Et pas que pour des occasions. D'accord? Je corrige un peu. Ouais. Le mois de janvier, c'est un mois important pour vous? Non, pas vraiment. Ah. Non? Non. Là, alors, de toute façon, je vais m'arrêter là. La maman... c'est désincarné il y a en quel mois? Moi je peux dire à quelle date elle est décédée. Non. Le mois. Ah, le mois c'était septembre. Septembre. Eh bien non, elle ne me le montrait pas. J'avais janvier, il faudra regarder, je ne sais pas. Pourquoi, comment? Et mon père, il est décédé en février. Bon. Non, parce que j'ai gardé mon père, j'avais 5 mois. Ma mère m'a élevé seule. D'accord. Non, j'ai vraiment ce mois de janvier et ce chiffre 15. Faudra regarder, c'est... Il viendrait chercher mon gribouillage. Peut-être le jour où il a dit qu'il était malade. Je pense que c'est tout. Il me montre aussi... il me montre que vous aimez. Vous avez une cave à vin ou quelque chose avec des bons alcools, des choses comme ça, des spiritueux, elle me dit là. L'alcool blanc. Oui, elle me dit pas trop, juste pour le plaisir, elle me dit. Je peux lui dire que je bois plus depuis au moins 6 ans, 7 ans. Plus une bouteille de tout le reste. Moi, le message. Mais que les amis profitent. Voilà, le message est passé. Ouais. Elle s'en va, elle vous fait une bise, mais juste une en fait, mais bien bruyante. Ouais, c'est parce qu'elle n'est même pas barbue. Sinon, elle m'en aurait fait plusieurs. Juste une sur le côté. Elle me dit merci d'avoir été ce que tu as été. Elle me dit, je suis encore à côté de toi, n'oublie pas que je t'aime et n'oublie pas que... Voyage à l'horizon? Oui. 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 C'est où? Bali, pays chaud, quelque chose comme ça? Non, Bali, c'est la destination que souhaiterait ma femme. Quand je vous ai dit que j'allais travailler pour vous, alors elle valide le voyage à Bali.
elle valide le voyage à Bali. Et par contre, la grande chance que vous avez, c'est que elle sera votre belle-mère. Elle sera avec vous au voyage à Bali. Et si ça tombe un 15, vous savez pourquoi le 15, c'est maintenant. Et c'est tout. Et c'est tout. Merci beaucoup. Allez, je vais faire le dernier contact. En fait, j'avais marqué plein de notes et ça ne m'a rien servi. Alors. Et je vais prendre la dame en jaune. Ah bah oui. Vous avez changé de place ? Ah bon, d'accord. Ah non, il y avait une autre dame en jaune. Allez. Je vais terminer par vous. Allez. Allez. Ok. J'ai un monsieur qui se présente à moi. Voilà. C'est qui ? Votre papa ? Ouais. On va parler. J'ai beaucoup de papas. Aujourd'hui, ce sont tous... J'ai des courants... des fois, j'ai dans certaines lectures, j'ai que des bébés. Des fois, j'ai que des papas. Des fois, j'ai que des mamans, des mamies. Des fois, j'ai des meurtres, des choses comme ça. Mais c'est des courants. Des fois, j'ai que des cas compliqués. Aujourd'hui, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est... on est beaucoup dans l'enfance, dans la mélancolie, dans les souvenirs. Et moi, j'aime bien parce que l'énergie est plutôt bien. Comment s'appelait votre papa ? Alexandre. Allez. C'est la première fois aussi qu'il passe. Hein. Ouais. Il ne sait pas, il ne connaît pas. Et il me dit les médiums. Alors attends, on va faire un geste. Un médium. Voilà. Mais il est content parce qu'il me dit il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Il me dit... J'ai un prénom avec la lettre I, Irina ou Ilona ou Irma. Bon. Juliette, c'était sa femme. Enfin, non. Non, avec c'est vraiment cette lettre I qui démarrait. C'est noté. Des fois, ça reviendra plus tard. Alors, j'ai beaucoup, beaucoup d'amour à vous. Transmettre par rapport à ce monsieur parce que c'est la première fois et que il me dit vous êtes posé la question aujourd'hui, est-ce qu'enfin je vais avoir un message et est-ce qu'enfin papa tu vas vouloir me parler et voilà ta demande est entendue. Il me dit tu sais que moi j'aime faire les choses bien et que je veux pas passer par n'importe qui. Il me dit voilà pourquoi j'ai ça. Ok, allez, on y va. Alors, j'ai. Vous avez la symbolique du lama, vous, ou du dromadaire, ou d'un animal comme ça, de désert. Ça ne me parle pas. Votre papa n'a jamais vu ça. Vous n'avez jamais. Vous n'avez pas croisé ça dans la semaine qui venait ? Ça ne me dit rien. Bon. Je vais noter parce que... Et je le reçois. Je ne sais pas pourquoi il me parle du lama. Bon. Mm-hmm. Ah. Je suis passée avec ma fille l'autre jour, il y avait un petit cirque avec des animaux. Oui. Il y avait un lama. Voilà. Votre papa était à ce moment-là avec vous, à côté de vous. Ce qu'il y a de drôle, comment s'appelait la pépette qui était avec vous ? Muriel. Il aime cette petite pépette et il me fait comprendre que... c'est la petite fille, c'est ça ? Vous êtes la mamie gâteau, il me dit. Il me dit que allez, c'est un peu plus compliqué, mais... Il est là quand même, hein. Il veut faire les choses bien, il sait pas, il veut faire les choses bien. Donc, allez, s'il te plaît. Il est très fier de sa petite fille. Vous lui avez acheté des habits d'ailleurs ce jour-là, peut-être.
Bon. Vous avez le droit de me dire non. Non, mais je me souviens. D'accord. C'est comme s'il y avait une robe qui avait été achetée à ce moment-là. Et il était à côté aussi. Bon. Ou en début d'année, c'est un... Non, c'est vraiment très proche. Il me... Ouais. Au moment où vous avez vu Slama, je sais pas, il y a eu peut-être une hésitation, je sais pas. Il me le montre. Le chiffre 24 qui vient. C'est le jour de son décès. D'accord. Alors, mars, il ne fallait pas me le dire. Il me dit aussi que. Il y a quelque chose avec les chaussures pour ce monsieur. Parce que il portait des bottes en cuir ou quelque chose comme ça. Oui, il était à la campagne, donc c'était plutôt des bottes pour les champs. D'accord. C'était un. Il avait bien les belles chaussures. Ouais, aussi. D'accord. Ok. Alors, non, parce qu'il me manque des bottes un peu. Bon. Moi, je les voyais en cuir, mais c'était des bottes pas bien entretenues. Donc, vous me confirmez que c'était la campagne. Alors, je suppose que vous avez pu cet objet, parce que pour lui, c'est un objet important. Ce moment-là, c'est un objet important de sa vie, il me dit. Il me dit je vais pas faire des longs discours parce que c'est la première fois et que. On aura d'autres occasions, il me dit, de se reparler. J'ai beaucoup de je t'aime, beaucoup de remerciements que tu sois là. Pareil, il me dit, les je t'aime, je te les donne, mais parce que je t'en ai pas donné assez, il me dit. Et c'était important de dire les choses. Et il me dit surtout, il s'adresse un petit peu à tout le monde et il dit... Dites-vous, je t'aime avant de passer par un médium. Faites les choses avant d'eux. Après, c'est plus compliqué d'avoir des messages. Réglez les choses vivant. C'est important, il me dit. Il y a quelque chose aussi... qui c'est qui travaillait du bois? Il me montre comme un... Mon fils. D'accord. Alors, il est très fier de ça. Il va vous construire un buffet ou quelque chose comme ça? Il fait du. Mais pour comment dire, côté de son métier. Oui. Il est tourneur sur bois, comme ça. D'accord. Par plaisir. D'accord. Et ben, il est le papa, enfin, le papy, et donc son papy, est très fier de ses mains, parce qu'il peut faire de belles choses. Et je suis persuadé qu'il va te réparer un vieux meuble en bois ou quelque chose comme ça, si ce n'est pas déjà fait. Mais en tout cas, c'est dans les tuyaux, il me dit. C'est en prévision. Et c'est marrant parce qu'il va falloir le cirer et tout. J'ai l'odeur de Xylia Décor, le bois l'adore. Ok. Tu habites la campagne? D'accord. Tu es embêté par les fourmis et les insectes chez toi? Les rats. Bon. Non, j'avais d'autres nuisibles plus petits, style des fourmis ou style des fourmis. Alors, quelquefois, j'ai une colonne de fourmis qui m'a fait mon rapport. D'accord. Alors, il me dit, attention, faut les garder parce que ça porte bonheur. N'achète pas du bégon, il me dit. Oui, c'est l'argent qui rentre. Les fourmis, c'est l'économie en fait. Quand on a des fourmis dans la maison, bon, un petit peu, pas une invasion, mais c'est généralement les économies. Il paraît je crois que c'est aux Indes ou quelque chose comme ça, la fourmi est un animal sacré et on déplace les colonies mais on les tue pas. Alors je sais pas où, mais voilà. Je vais m'arrêter là parce que c'est tout. Allez. Qui chante dans la famille? C'était moi. D'accord. Petite, un peu plus petite? Il y a quelques années. Il y a quelques années. Eh ben, il faudrait continuer. Pourquoi vous avez... J'ai problème au corps, je peux. Ah bon. Bon. Eh ben... C'est ma maman, je crois. Ah ben, voilà. Mais là, il y en a un de vous deux qui avait sorti un disque ou pour comme ça, même pour s'amuser. Vous avez des enregistrements de ça?
regardez quand même, parce que c'est comme si j'avais des enregistrements de... Oui, oui. Et peut-être que ce monsieur était présent. Oui. Eh ben oui. Eh oui. Je pense que c'est tout. J'ai. Il vous dit que maintenant vous savez qu'il est à côté de vous. Alors c'est aussi votre guide familial. Je pense que c'est tout. Et c'est tout. Merci. Et merci à vous. Et c'est tout, je vais m'arrêter là. Merci à vous. Merci de m'avoir écouté. Est-ce que vous avez des questions sur la médiumnité ?